Je prie. Mais les deux autres choses qui restent, je ne peux pas. Donc c'est la zakat et le hajj. Il se tue et puis dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui dit, mais moi, si je m'accroche qu'à ces trois choses-là, sans les deux autres, si je, Allah sallallahu alayhi wa sallam venait me prendre, où est-ce que je serai? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui affirme que tu seras en Djanna. Alors il lui dit, à aux trois que tu tiens par la force, je te rajoute trois autres. Donc c'est donc. Ne regarde pas quelqu'un et le mésestimer. Ne garde pas de rancœur vis-à-vis d'une personne. Et ne refuse pas, ne sois pas jaloux d'une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à quelqu'un. Et évite la provocation, évite de commettre du tort. Si tu fais cela, avec les trois dont tu parlais tout à l'heure, c'est moi qui t'amène le djanna. Donc le djanna, le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait cadeau. S'il devait le vendre, personne n'aura le prix. Qui a le prix pour entrer au paradis? Il n'y a que lui qui a le prix. Personne d'autre n'a le prix. Et s'il choisit pour toi l'islam, il choisit la salam pour toi. Tu es ton entrée au paradis est assurée. On prie également Allah subhanahu wa ta'ala que Allah vienne au secours de la Ummatu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a certaines personnes, ils croient en Allah, mais ils provoquent, ils commettent du tort vis-à-vis des créatures d'Allah. Ils vont créer, jeter des bombes dans des mosquées où les gens sont en train de prier. Et alors qu'on sait très bien que ceux qui sont dans les mosquées pour prier, ce sont des musulmans. Alors si ces gens-là qui jettent des bombes dans les mosquées prétendent travailler pour l'islam, évolution de l'islam. Ils empêchent à ce moment-là aussi la promotion et l'évolution de l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. Mune kep ko xamne julit la. Donc que tous ceux qui sont musulmans. Ki julit deug deug. Le véritable musulman. Moy ki nga xamne c'est celui qui les gens sont préservés des dangers de sa langue et des dangers de provenant de sa main. Ils sont préservés des dangers de sa langue. Ces personnes-là ne disent jamais quelque chose qui peut faire mal. Les gens sont préservés des dangers de la main. Ils sont préservés parce qu'ils ne lèvent pas la main sur les gens. Ils sont préservés des jets de bombes. Et toutes ces choses-là ne font pas partie de l'islam. Donc c'est cet islam-là paisible qui est notre religion. Et en étant dans l'islam, nos anciens qui nous ont précédés, notre grand-père, Al-Hajj Abdullah Ignas, c'est Al-Hajj Malik Si, radiallahu anhu, Cheikh Ahmed Al-Bamba Khadim Rasul, radiallahu anhu, quand ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'appelaient personne pour leur dire, venez, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont isolés et ont adoré Allah jusqu'à Allah les entendre. Et Dieu a propagé leur nom et leur notoriété à travers le monde. C'est comme ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime sa créature, il dit, il ordonne à Jibril alayhi salam en lui disant, cette créature-là je l'aime, donc il faut l'aimer. Et à ce moment-là, Jibril alayhi salam aussi aime cette créature. Et il dit également, il ordonne à Jibril de dire à l'ensemble des malaïkas d'aimer cette personne-là.
Et Jibril le transmet le message. Il lui dit alors, mets-lui une notoriété de sorte que toutes les personnes qui la verront l'aimeront, cette personne. Donc, les Waliullah, comme on peut les appeler, si on parle d'eux à travers le monde, c'est parce que partout où ils vont, ils sentent par leur présence qu'il y a là une présence aussi, c'est celle de Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont convaincus qu'ils sont des esclaves là-bas. Il doit faire partie de ce que l'on doit s'imposer. C'est de s'entraider dans la religion. De s'entraider dans le bien. Renforcer la société. C'est parce que ces recommandations-là renforcent toutes les sociétés où cela est appliqué. Une personne s'était apprêtée pour aller faire son hajj. Il annonça à toute la communauté qu'il allait partir à la Mecque. Il envoya à un de ses enfants annoncer la nouvelle à un de ses voisins. Il trouva dans cette famille-là que les gens étaient en train de partager un morceau de viande. L'enfant a voulu prendre un bout de cette viande. Et le chef de famille interdit à l'enfant de prendre un morceau. Et l'enfant est retourné en pleurs chez lui. Le papa lui demanda donc, pourquoi tu pleures, mon cher fils? Tu m'as envoyé auprès de notre voisin, mon père Antel. Je l'ai trouvé en train de manger un morceau de viande avec sa famille. Et j'ai introduit ma main pour partager le morceau, il m'a rejeté. Alors le monsieur se leva et alla se plaindre auprès de ce voisin-là. Quand il est arrivé, il lui dit, ah, mon fils vient de m'annoncer une chose. Il paraît que tu as levé ta main sur lui. Parce qu'il a voulu partager votre morceau de viande. Ah, il lui dit, alors vraiment, ton fils là, il m'a vilipendé. Le morceau de viande qu'il nous a trouvé en train de manger. Ça fait 5 jours que personne parmi nous n'a mangé quelque chose. Quand je suis allé chercher du travail, à mon retour, puisque je n'avais rien trouvé, j'ai trouvé une bête qui venait tout de suite de mourir. J'ai ramené cette bête morte. Nous l'avons préparée. C'est ce morceau-là que votre fils nous a trouvé en train de manger. Il a voulu partager ce morceau d'une bête morte naturellement, alors qu'il n'en a pas droit. Parce qu'il n'est pas dans notre situation. Nous, on est restés 5 jours sans manger. Ce n'est pas le cas pour lui. Alors, le monsieur qui s'apprêtait à aller à la Mecque dit à son voisin, « Cette chose dont tu me parles t'est arrivée alors que nous sommes voisins ?» Alors, il lui dit, « Moi, je ne vais jamais me plaindre chez les gens si ce n'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors le monsieur lui dit, moi je m'apprêtais à aller faire mon hajj. Mais tout ce que je vais rassembler comme bien, je t'en fais cadeau, je te le donne. Parce que j'avais déjà été au hajj une fois. Cette fois-ci, c'était une nafila que j'avais fait. Et alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plus belle des honneurs que l'on peut faire, que tu peux faire à une personne, c'est de lui donner un bout de nourriture, une poignée de nourriture. Donc c'est pourquoi j'applique cette hadith de Rasoul alayhi sallam et je vous donne tout cela. Et je renonce jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Et le monsieur lui dit, je prie Allah pour qu'il vous rétribue. Lorsque les Oujjaq, les pèlerins sont revenus,
Il est venu les féliciter. Alors les pèlerins lui disent, mais pourquoi tu nous félicites? Alors il leur dit, mais parce que vous étiez au Hajj. Alors, il lui rappelle, il dit, mais voilà, toi, on était partout pendant le Hajj, on était ensemble. À Arafat, à Muzdalifa, partout où nous sommes passés, nous étions ensemble. Et quelqu'un lui dit, tu vois, ce vêtement que j'ai sur moi, c'est toi qui l'avais acheté là-bas. Comme des moutons. Alors, comme il n'y était pas, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lorsque la créature forme une intention de faire quelque chose, alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que tu formules cette